Bonjour les amis, c'est Mitra Pneumat de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce, donc pour construire sa maison. Alors vous vous souvenez dans Breath of the Wild, on pouvait construire sa maison et c'est la même chose dans Tears of the Kingdom. Alors ça se passe où? Ça se passe évidemment au village de Zero. Alors, on va aller discuter avec notre ami Groseillier et sa femme. Donc ils sont inquiets pour leur fille qui doit aller rejoindre le peuple Gerudo. Donc normalement voilà, ils construisent des maisons, mais là ils sont trop inquiets pour leur fille. Donc vous vous souvenez, dans Breath of the Wild, c'était quand même assez long pour construire sa maison. Ça demandait pas mal de rubis. C'est la même. Ce vieux Link, ose-t-il dire, alors que... Enfin... Bref, on va faire d'Agis. Donc voilà, ça aussi, hein, ça peut donner un peu une idée de la chronologie. Et puis on voit l'âge de la fille, donc franchement, moi je lui donne pas plus de 8 ans. Donc voilà, il y aurait 8 ans qui seraient à passer et on oublie pas mal de choses. Hein. Allez, hop. Donc je vais aller parler à leur fille. C'est trop. On lui parle. Bon, elle a la même coupe de cheveux que son père, sinon tout le reste, heureusement pour elle. Ah. Voilà. Ouais, franchement, quand je dis 8, d'abord, je suis gentille. Hein. Petite. Et ils ont tous oublié, en 6-8 ans, ils ont tous oublié les prodiges, etc., etc. Qu'une trace alors on va la suivre, ça va donner les cours de Gerudo aux gens. J'ai remarqué que toutes les femmes ont un balai. Oh, si. Allez, lance. Mais je te suis. Donc elle va, il y aura juste une question. C'est la réponse, elle est dans le livre qui est dans sa chambre. Baba. Elle veut aller au chantier. On va la suivre encore. Elle veut emprunter le monorail. Mais il me semble que c'était le PNJ nouveau riche dans Breath of the Wild. Mais en certitude. Hein. Et il demande 20 rubis pour chaque utilisation du monorail. Pas sûr. Donc là, elle veut qu'en fait, on lui bouche la vue. Il y a une planche là. Moi, j'ai essayé. Je n'ai pas réussi à lui boucher avec ça. Donc, on va parler. Cornuée. Donc il va y avoir une grotte. C'est pour débloquer la porte. Débloquer, elle ne l'a pas dit là, parce qu'on n'a pas essayé de prendre une des décorations. Non, on essaye de prendre une des décorations de son mari là,
Je dis que la porte est bloquée. On passe dans cette grotte secrète. Et on retire ça. Portrait de... Ça y est. On va pouvoir récupérer justement ces silhouettes publicitaires, enfin ces portraits, pour aller masquer la vue capitaliste qui se trouve à l'entrée et qui veut faire payer 20 rues. Donc voilà, elle se trouve ici. Il va leur faire ce que j'adore. Le but, hein, là, c'est de empêcher de voir. À partir du moment où il dit je vois pas, je crois que... Bon, j'espère que ça va aller, qu'elle va pouvoir monter à bord, que j'ai bien... rien voir. Il va pas l'entendre. Donc, hop, on va ouvrir le journal de quête. Alors, Tini a réussi à échapper à la vigilance de Desa et à monter à bord du monorail. Espérons qu'elle ait pu rejoindre Rosaillé sur le chantier. Alors, le chantier, il se trouve ici. Demande. Alors. Toi aussi tu es venu, je trouve que ce serait pas plus. Oh, il a l'air de rire. Voilà ce que je me suis. La cité Gerudon, c'est pas tout près, sur le chemin ça grouille de monstres pour. Alors j'ai pensé que je pourrais fabriquer une montgolfière spéciale. Il n'y a qu'un truc. Je sais pas comment m'y prendre pour qu'elle soit vraiment en bas spéciale, quoi. Et papa, même si elle n'est pas spéciale, la montgolfière est super belle, comme le soleil. Bien sûr, à l'atteindre en jaune, comme le soleil. Des fleurs radieuses, mais il m'en faudrait 10, de la taille du machin. Alors, en plus de ça, j'ai lu que certains d'entre vous ne trouvaient pas les fleurs radieuses, alors c'est pas compliqué, ça se trouve près de tout ce qui est... Sonéo, c'est-à-dire ben, dans les îles célestes, dès que vous voyez sur, à la surface des pierres Sonéo, vous allez voir, il y a des fleurs radieuses à côté. Voilà, sur les ruines, effectivement, le diable. On donne 10. Ça me permet de pouvoir faire ma maison. J'adorais avoir ma maison dans Breath of the Wild, donc vraiment pressé d'avoir la mienne dans Tears of the Kingdom. J'espère vraiment qu'il y a des râteliers. Transformez-moi tout ça en soleil. Vous allez payer pour moi. Ça a des bons souvenirs, ça.
je sais pas, c'est un peu bizarre. La force à aller citer Gerudo. On se discute. Les hommes n'ont pas le droit de rentrer dans la cité, donc on va pouvoir voir ça fait souvent. Oui, enfin, j'ai tendance à toujours analyser. Ouais, enfin, c'est gentil, mais. Carrément la chercher. Puis je trouve un veuil aussi. Bon, déjà le fait que à un certain âge elle soit obligée de sortir de la cité pour aller trouver un veuil, c'est discutable. Mais alors de prendre les gamines si jeunes, ça fend le cœur. Petit. Je venais juste faire ma maison. Bon, sur ce, hein, c'est bon, elle est partie maintenant, la gamine, attaque. Trop marrant. Ceux qui ont des enfants, n'hésitez pas à me dire si ça se passe comme ça, pas vrai. Allez, on va aller leur parler. La vie, là, ça va, ils sont bien, tranquilles. Alors, maintenant que le déménagement, pas vraiment un déménagement. Alors, moi je l'ai pas fait tout de suite. Et dès que j'ai compris qu'on pouvait la maison, parce que on le voit hein, en allant chercher sur la route quand on aide le personnage là qui est avec son poteau, on voit qu'on peut construire une maison. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument ma maison, mais les sanctuaires s'enchaînent. Et j'ai attendu longtemps. J'en veux une, évidemment, j'en veux une. Tiens. Ah, déjà 3000 rubis pour. Ah, mais 1500, j'achète, bien évidemment. Le terrain qui te revient se trouve au sud-est d'ici, comme je l'ai dit. C'est une vue superbe. Ah, moi, je suis pas dans le village, moi, tu sais. Non. On me file un truc sur les montagnes, là où c'est pas constructible normalement. Marrant, hein. Je pense que je vais faire venir un notaire, je la sens pas cette histoire.
les porter. Je prie pour qu'il y ait des râteliers pour les armes. Je suis pressée de pouvoir ranger mes armes. J'ai malheureusement, j'ai cassé plein d'armes. Après, en racheter ou en retrouver, c'est pas la question. Mes armes, j'ai vraiment envie d'entreposer. Et par exemple. Je suis Ling. C'est bizarre que je sois pas plus célèbre que ça. Je vais sauver Hyrule. Ah. Voilà le terrain que j'ai acheté. Oh non. Non. Ils me font payer pour construire moi-même. Ah ouais, tout à fait. Ah bah c'est sûr que si c'est moi qui l'a construit, ça va être unique, hein. Ça leur ressemble à rien. Non. Ils ont des tribus. Histoire. Ah. Animal Crossing, le retour. Voyez le désastre quand j'ai terraformé, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu stressée là à l'idée de construire ma maison. Non. Tu peux pas la construire toi-même, je te paye. Et là, bon. Bien rester dans les limites du terrain, je crois. Je suis. J'aime pas les constructions, on est gâté, hein. Ouais, c'est un peu comme dans Breath of the Wild où on est tout petit à petit, mais là c'est toi qui dois faire ta propre maison. Alors, je pense qu'au fur et à mesure on va pouvoir jouer à 2 sur 15, on va pouvoir débloquer des justement des blocs. Comment dire, enfin, j'espère, parce que ça ressemble à rien. Bof. Oui, bof. Pas payer un architecte, non. Donne du titre. On va pas avoir. On va voir. Donc ouais. Et du coup, est-ce que bon, il y a un lit et tout, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, sincérité, c'est mettre les armes et tout ça. De ta part et moi Nadia je si faisons un catalogue de pièces aussi fourni que varié, alors choisis s'il te plaît
Et décore ta maison de rêve selon tes désirs, Link. Bon, ces travaux sont pas. J'espère que ça va quand même pas prendre une. Peut-être acheter. Alors, je crois qu'on peut. Alors, je vais regarder. Alors, donne-moi une pièce. Donc, voilà. Okay. Ouh. C'est totalement du Animal Crossing. Donc, je vais pas vous imposer ma construction. Alors, en gros, alors on voit. Donc, il y a des pièces triangulaires meublées. Il y a des pièces carrées meublées. Donc là, ça c'est ce qui m'intéresse. Salle des armes, salle des arcs, salle des boucliers, galerie d'art, chambre à coucher, cuisine, boudoir de la déesse. Ah, ah, ça c'est sympa. Donc on peut aller prier de chez soi. Ça c'est vraiment cool. Ce qui fait que j'aurais peut-être dû faire la maison au début. Mais ah, écurie carrément. C'est vraiment top ça. Donc on peut faire son écurie personnelle. Vestibule. C'est vraiment... Oui, c'est bien pensé, en fait. Les escaliers... Oui, là, ça fait très, très Animal Crossing. Un bassin en poisson. Ce bassin écrit en forme de L est livré avec une carte tricolore. Tu vas pêcher dans ton truc. Mais c'est vraiment très cool, en fait, au final. Ça te donne... Ça va te donner écurie. Ça va te donner l'endroit pour prier. Tu vas pouvoir ranger tes armes. C'est vraiment très bien. Bon, moi, je ferai peut-être juste une photo de ma création et que je vais tweeter. Mais là, je vais certainement pas vous imposer des heures et des heures de création. Donc voilà. Par contre, n'hésitez surtout pas, vous, à partager en commentaire. Mettez le lien, je sais pas, vers votre compte Twitter, vers votre Facebook, vers vos vidéos YouTube pour qu'on puisse voir vos créations. Je partagerai la mienne une fois que j'aurai terminé tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.